Alors, on avait fini effectivement ce campement-là. On va quand même retourner pour l'émission à Dars. Tac. On veut monter un ou deux levels. On a dit au moins niveau 10 pour y aller. C'est vrai qu'on est actuellement en compo de guerrier qui marche pas trop mal, qui est plus safe, j'ai l'impression. Qui clean moins vite, mais oh, remarque, pas tant que ça, mais qui est plus safe. Et que l'idée de monter un peu notre ami. Calmez-vous. Ce chapeau est dégueulasse en revanche. Hein. Quelque chose à me dire? Parlez-moi des acquisitions. Oui, ça j'ai compris. Ah! Source de bois. On va aller chercher la petite source de bois. Le fer, c'est bon. On a tellement looté de fer. On m'a dit que ça pixelisait un peu au mouvement, du coup, c'est pas que j'essaye de pas bouger, mais je regarde effectivement, mais c'est mon PC, hein, à moins de me racheter un, cotisez-vous pour me racheter un PC. Mais non, non, je vais essayer de faire des réglages, mais je peux pas garantir que ce sera parfait. Après, je trouve ça, pour avoir regardé moi-même le VOD, je trouve ça assez suivable. Effectivement, les combats, c'est un peu, c'est pas vraiment la meilleure qualité du monde. Écoutez. Nous faisons nos mieux, j'ai pris le pire chemin, évidemment. On laisse des traces dans la neige ou pas? Plus ou moins. C'est la population zelfidée, là. Elle court la maladie du loot dans le cœur de Basile qui va finir à l'asile. On nous en donnait là du fer. Histoire d'être sûr. Il est où le bois? C'est ça le bois? C'est ça. Parfait. On peut TP back ou pas? Ce serait formidable. Mais on ne peut pas TP back. Eh bien, marchons en arrière. Le petit ponton de bois. C'est joli, il y a cet œil rouge de l'Inquisition qui brille au loin. Ça fait un peu de terrain de clodo quand même, hein. Tu-tu-tu-tu. On oui, la chanterie, tout ça. Hop! Quête terminée. Quête terminée. On n'a pas débloqué un atout. Ouais, on a un atout et 10 de puissance. Incroyable, on est si fort.
convoquer le conseil de guerre. Alors, quelle mission était-il parti faire déjà? Principe. Alors, oui, alors, secret, parce qu'on veut, nous, on veut débloquer les doigts agiles. Du coup, portée de la recherche, c'est bien. Puis voilà. Ça, c'est niveau. Ah, c'est niveau 8 à 11. On est pas à combien, nous? On est 8. Pour aller tenter niveau 8, c'est un peu chaud, quoi. Régler l'association de l'île. Selon mon époux, je dois vous remercier pour l'intervention opportune qui a protégé mon carrosse de l'attaque de bandits. Les routes sont dangereuses de nos jours. En tant que duchesse de Lyd, je ferai tout pour rendre mon possible les je ferai tout mon possible pour les rendre plus sûrs. Je vous prie d'adresser ma plus sincère gratitude. Nanana, dame duchesse Carolina, c'est elle qu'on voulait soutenir, donc parfait. J'ai eu une discussion très productive avec les référents. Ah oui, ça c'était les prêtresses qui ne nous soutenaient pas. Elle n'a aucune vue sur le trône du soleil, mais elle veut pas le voir tomber aux mains de la grande prêtresse Ionia. Toutes les deux, il suffit de faire jouer quelques relations. Anastasia a utilisé le pouvoir de serre pour discréditer définitivement Ionia. L'affaire est close, quelques présents, parfait. Et les étranges symboles. Avant-poste établi le long de la voie impériale, facilement un quatrième lieu, une caravane de réfugiés monte le camp, une jeune femme sur le béquille. Une femme prétend qu'elle ne sait rien, prend une demi-heure, elle embrasse un médaillon anthracien et gloire à ceux qui vivent par-delà l'océan avant de mourir. Le médaillon contenait du poison. What the fuck? C'est des fanatiques? C'est des fanatiques. Un cadeau pour Bianca. Ouais, d'accord, donc ça c'est pour améliorer l'arbalète de Varric. Eh, j'aurais des trucs pour améliorer mon arbalète. Enfer Elden. Améliorer la sécurité sur la mer d'écume. Une demande en provenance d'Asmal. Commandant Cullen, je crois comprendre que l'Inquisition collabore avec les mages de Golfalois. Je m'étonne que quelqu'un venant de Kirkwall cautionne un tel arrangement, mais cela vous permettra peut-être de nous aider. Le cercle d'Asmal a subi d'importants dégâts lors des révoltes. Plutôt que de suivre le seigneur chercheur, nombre de nos Templiers ont choisi de rester et d'assumer les conséquences, mais nos ressources sont limitées. Qui plus est, nous avons avec nous des mages loyalistes que les habitants d'Asmal jetteraient volontiers au loup, bien qu'il n'ait rien à voir avec les rébellions. Je crains que nous ne puissions pas honorer notre devoir de les protéger. Dans l'espoir, vous comprenez. Hein? Donc soit on envoie d'autres Templiers, soit on les escorte. Bon, on va les escorter. Et améliorer la sécurité. Appel à l'aide pour améliorer la sécurité. On envoie des soldats. On va continuer à inspé un peu sur la côte d'Orage. Je pense, hein, parce qu'on est quoi? On est niveau 8 encore. Hein. Ouais, c'est ça. La côte orageuse, pardon. On va aller là et on a ces quêtes-là à faire. Afficher le suivi. Hop. C'est des quêtes là-haut qu'on n'a pas faites. On y pensera. Notre équipe, notre fine équipe, c'est Blackwall, Iron Bull, Solas. On va faire un petit point stuff en arrivant. On aurait pu vendre aussi, hein. On aurait clairement pu vendre du matos. Vous n'avez pas le son du jeu, excusez-moi. C'est mieux comme ça. Désolé pour le début sans son. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. En tout cas, à entendre, il n'y a pas de dialogue, au moins. Point stuff. Il y a un arc agressif qui est moins bien. Il y a une dague qu'on va garder. Alors que l'onde d'écume. Ah non, l'arc est mieux là. Voilà. Ok, et la lame pour Blackhole. Moins bien que celle qu'on a craftée, évidemment. Accessoire. Qui c'est qui a pas de ceinture? Iron Bull, très bien. Blade de constite. Plus 2 de constite. Solas. Allez, let's go! On n'invoque pas Motoche parce qu'on sait pas où on va et qu'on veut explorer. Putain, il est badass l'arc. C'est quoi ça? C'est un niveau 12, on l'a Et dégommé. voilà le travail. Oh, j'ai des trucs niveau 12. Non, ça va. Alors, l'ours niveau 8 est plus résistant que le machin niveau 12. Laissez-moi me poser certaines questions. Il est imprenable. Je
J'en connais, c'est de l'herbe en fuseau. Je commence à reconnaître les plantes, autant vous dire que... Et Red Bull, il fait du son à lumière, mine de rien. Oh, les vagues, c'est joli, là. Passe pas par là les gars, vous m'avez induit en erreur. C'est le bon chemin ou pas? Ouais, ça a l'air. Ah, il y avait un chemin par là aussi. Peut-être sur les hauteurs c'est mieux, hein. Une petite grotte, j'ai l'impression. Encore une grotte à la con, mais ah, c'est plus une grotte. Ah ouais, super chelou là. Ok. Pourquoi pas. Allez, ça passe. Allez, oh putain de... Moi qui veux, hein. Fufu. Chez. Ah non, il prend la sauce, hein. Il n'y a pas les... Ok. Voilà. On n'a jamais loot d'ours, hein. Ça loot des trucs ou pas? C'est long à tuer, c'est dur et ça loot de rien. Formidable. Tout ce qu'on aime. C'est vraiment un chemin, je suis pas sûr, hein. Attends, quand même. Il doit y avoir quelque chose ici. Ouais, alors attends, deux secondes sur le truc qui est ici, on va plus essayer d'ailleurs de pas mourir dans la chute qui est derrière nous. Trace des gardes, ah oui. Ça appartenait aux gardes. Voilà qui devrait être utile. Ok. Tellement de trucs dans cette petite cabane de merde. Ah, la bouteille d'alcool. Laissez-moi passer. Ah. Ça va mieux. Vous avez gagné des niveaux, les copains. Alors, Black Wall qui est déjà bien blindé ici. Et qu'on voulait mettre un peu en... Maître de guerre, je crois. C'est un... Non. Ou en avant-garde. Bien ça. Ça provoque. Iron Bull. Iron Bull qui est full à deux mains. Pour l'instant, on va booster tout ça. Oui. Oui, pas là pour déconner. Et Solas aussi, non? Solas. C'est énervé, ça. Il y a un coup à jouer avec les 32 d'hiver, là. Putain, oui. Et il y a un truc juste à notre droite. Pardon, pas trop de hauteur donc.
Nous avons fouillé la zone, mais nous n'avons pas trouvé ces parties. Ok. Les gardes ont dû reprendre la route. Ok, donc ils sont pas restés dans le coin. Ils cherchent quelqu'un. Vous connaissez le garde dont ils parlent ? Non. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait partir les gardes d'ici. Ouais, je pense qu'ils font référence au héros de Ferelden, hein. On verra dans le codex tout à l'heure. On l'a fait la glissade là ? Ça passe. Ça passe tranquillement. Quoi ce monolithe là? Quel monolithe bizarre là. Ouais. Pourquoi pas. On est blindés d'elfidés, je crois. On est blindés d'elfidés. C'est une bonne nouvelle. Ce serait un bon endroit pour installer le campement. Ah oui. Bon, on avance, mais on n'explique pas trop, là. Il y a une faille là-bas. Bon, bah, on va aller jusqu'à la faille là-bas. Hein. C'est marrant, là. Il y a des trucs par là. Pas de quête, rien. C'est vraiment randolant d'ici, hein. On va aller fouiller ce petit endroit de merde là. Histoire de dire qu'on n'est pas venu pour rien. Ah, mais c'est du bois! Formidable. Qu'est-ce que c'est que cet endroit là-bas? Ok. Madame? Okay, donc pour l'instant c'est fermé. C'est sûrement l'endroit qu'on ouvre avec les astrariums. Voilà. Et eux, le coffre, on peut pas l'ouvrir. Bon voyage. Ouais, bah ouais, super. Bon voyage. Là on peut prendre Motoche et se mettre un petit point. Bon, de toute façon on sait qu'on va par là-bas. Y'a la Motoche. Voilà. Petit motoche. Hop là. Ouais, c'est pas folichon en XP dans le coin. Hein. Peut-être qu'on retourne un peu à Golfalois. Ou alors on est des fifous, on lance la principale. Hein. C'est à cheval, ça. On peut être fifou et lancer l'impôt. Qu'est-ce que... Mais il est... Un ours buggé. J'adore. Oh, oh, mon lycée. Mais des tartines. We are le DPS. Rolling your head on the desk, we are le DPS. On est loin du niveau 9, hein. Faire des quêtes pour les levels, mais c'est clairement pas ce que je suis en train de faire. En train d'explorer comme le roi des connards. En même temps, la faille, une fois qu'on y allait, c'est bon, parce qu'elle est vraiment à perpète les oies, quoi. Un peu de l'abus de faire ça, hein. Bioware. On demande notre cheval. Motoche. Je descends de la montagne à dos de motoche. Je descends de la montagne à dos de gros moche.
Je descends de la montagne à cheval. Je descends de la montagne à cheval. Je descends de la montagne, je descends de la montagne. Si la faille elle est genre niveau 3000, je suis dégoûté d'avoir fait tout le chemin. Ouais, ouais, d'accord, ouais, ouais, ok, ok, ok. Après, ils sont pas chiens, y'a pas genre 4000 mobs sur le chemin. Je peux vraiment me balader à cheval. Ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Un peu vite tout ça, hein. Là-dedans, là. Eh bien, c'est parti. Non, je sais pas du tout où sont les astrariums. Peut-être un par là. Ah, on voit, on les voit. Ah, on en a fait deux, le troisième est là. Ok. Des centaines d'épaves reposent au fond de l'eau. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la côte orageuse. N'empêche, les araignées dans le codex, c'est pas censé être à la surface, les amis. Hein. Pas faire mon tatillon, mais un peu quand même. Licor d'araignée, oui, c'est pour les quêtes, ça. C'est pour l'antivenin. Du lotus sanguin. Alors... Je détecte de la magie elfique à proximité. Ouais, ouais, moi aussi, ouais. Ok, ça c'est... Ouh là, il s'est fait découper. Ça va être tendu, hein. Pourquoi j'entendais un gros Discord ? Qui s'est faufilé. Oh la vache. Tellement cher. Attendez, excusez-moi. Qui c'est qui me déplace? Qu'est-ce qu'ils me font faire? Je suis ouf. Très bien. Je sais pas qui s'est faufilé, mais il y a quand même quelqu'un qui s'est faufilé, c'est une petite blague. Je pense qu'on va mettre ça là. On va garder mon désespoir, gros. En vrai, on les découpe les mobs niveau 12, on va clairement aller faire la principale après, hein. On est trop fort en fait. On est en train de défoncer le jeu. Ah, je dis ça, mais le dernier mob niveau 12 que j'ai croisé, il m'a vraiment, vraiment défoncé la gueule. Est-ce que je suis trop fort ou est-ce que cette zone là est surlevelée? Bim balabim, bim balaboum. C'était facile en fait. Il y a des trucs à voir au feu voilé là. Déjà, il y a un coffre. Ok, bien. Il y a un lotus noir. Oui, ça, c'est une statue naine. On revendique. C'est joli. Il y a un petit
Ocularium. Ok. Ok. Ok, parfait. Merci mon cul. C'est quoi ça? Champion des tréfonds. Formidable. Nos lotus noirs. On prend, ça a l'air rare. On aime ce qui est rare. Les deux autres trucs, ils étaient là-bas. Il y en a un là. Elles ont essayé de repop, elles, hein. Ouais, j'en ai gros plus un coup, je suis comme ça, moi. Allez, elle ne nous atteindra pas avant de mourir. C'est un fail. Un combo là, bon, quand je suis pris au corps à corps, en fait, je suis pas vraiment pris au corps à corps. Quoi. Allez, allez, hop là. Très bien, très bien. Glande d'araignée géante. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est l'artefact elfique. Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Oh! Oh! Oh, je l'ai douillé sa mère! Dernier éclat, il est un peu plus loin avant qu'on TP back. On est trop fort. On va clairement faire quand même les 2-3 quêtes de la côte orageuse là. Et ensuite attaquer la principale, continuer hein. Parce que là, on l'a vu, on défonce des trucs niveau 2. Alors des quêtes niveau 8-11, tatatitatata. Ouais, j'entretiens le mystère, j'ai déjà joué au jeu, donc je sais ce que c'est la mission principale, je sais tout, mais... Et entretons le mystère entre vous et moi, mes amis. Ici. Voyage. Donc là, on voudrait... Est-ce qu'on l'a fait, celui-là? Celui-là, on l'a fait, sinon il y aura une zone de quête autour, et celui-là, on l'a pas fait. Donc on va d'abord aller target celui-là. Rien à signaler, noble dame. Rien à signaler, noble dame. Elle-t-il la noble dame? Qui l'eût cru? Ça passe là? Non, ça passera pas. Faire étalation. Du fire. Je peux ouvrir votre coffre à vous ou pas? Utilisé par les mages rebelles. Ils n'en auront plus besoin maintenant qu'ils sont avec nous. C'est genre une quête qu'on n'a pas débloquée ou c'est juste que le jeu se fout de ma gueule et me montre des coffres? Ou c'est juste du lore? Attention aux chutes de pierre. Petit cochard. Dis-moi le petit cochard. Autre cochard. Grande clique. Et grande clique. Je suis vraiment passé à côté de celui-là en plus, hein. J'ai combattu ici, je me souviens, compagnon. Souviens-toi, Highlander. Zeist. Oh non, c'est sur l'autre promontoire. Oh, ça va. Ah oui, on est passé à côté sans vraiment être passé à côté. Just saying. Just saying. Astrarium, allez, petit moment énigme. Je rappelle qu'il faut tout faire d'une seule ligne.
Vous avez le dessin en bas à droite, un peu caché par le logo évidemment. Ça n'a pas l'air très compliqué. On va plutôt commencer là. Si je fais ça, ça, tac, 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 oui, ça a l'air d'être bon. Hop là, facile, facile, ouais. C'était que des triangles en fait. Enfin, il y avait un quadrilatère. L'homme au fer. Ok. C'est marrant ça. Alors là, ça peut vraiment être la glissade de. La glissade interdite quoi. Le truc que vos parents vous disaient de ne pas faire en haut des sentiers battus lorsque vous étiez minot. C'est ok. Après, j'ai l'impression que dans le fight, les potions d'abeilles ont bien fait le taf là. Le démon du désespoir niveau 12, ça avait vraiment. Sur le papier, ça fait peur. Dans la réalité, nous l'avons démoli. Mais c'est pas par là où s'est enfui le dragon. Enfin, je pense que c'est par là où s'est enfui le dragon. On se dirige dans un piège. Ouais, moi les grottes, j'ai donné la dernière fois. Hein. Non, non, non. Grotte où les compagnons ne suivent pas là. Pégé du cul. Okay, terminé. Juste en explorant. Alors ça me donne de l'influence, moi c'est de l'XP que je voudrais. C'est trop demandé. Apparemment c'est trop demandé. Super. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, dragonneau. Alors les dragonneaux, c'est les bébés des dragons. Chais. Chais, mais on rigole pas tant que ça. Hein. Ça vit en meute, ces trucs-là. On le voit d'ici. Et à mon avis, il faut monter par là-bas. Ouais, voilà. Bon, ça va, on les déboîte. Ah oui, mais alors, nos deux guerriers là, c'est un délire les dégâts qu'ils font. Hein. J'ai toujours aimé la mer. Iron Bull Black Hole. Alors c'est pas très paritaire notre équipe, mais en attendant, c'est efficace. Oh, il a bouffé au passage lui. Ouais, après, Iron Bull prend vraiment très cher. Hein. Permanence low, c'est peut-être ça le problème. Hein. Alors qu'une bonne Vivienne qui met des doses d'électricité, miam 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 miam. En vrai, ce qu'il nous faudrait, c'est un autre corps à corps, mais genre un voleur tag. Et Varric qui joue Arc, donc peut-être qu'il le compagnon d'après. Parce que dans la logique, on a 3 mages, 3 guerriers. Nous n'avons que 2 voleurs. La logique voudrait que nous ayons un troisième voleur en compagnon. Final, est-ce que le jeu se fout de ma gueule ou est-ce que le chemin est vraiment juste fucked up? Merci. On va pouvoir même aller chercher le trésor de la côte orageuse. Dernier astrarium. Qui a pas l'air très compliqué. Je pense qu'il faut boucler les deux triangles en premier là-haut. De toute façon, ils sont indépendants du reste. Ensuite, on réfléchit. C'est quoi? C'est y a un triangle comme ça, un triangle comme ça. Si je fais ça.
La même chose de l'autre côté, c'est bon ou pas? J'ai l'impression qu'on va le tenter. Attends, mais c'est ça quoi, même. Oh, je me suis fucked up, je crois. Ouais, parce que j'ai aucun point de retour. Non, recommencer. Bon, le début est bon. Ok, nul. Là, je pourrais faire un triangle et revenir. Ah, c'est ça, je pense. Hein. On va partir comme ça. Là, on peut faire genre ça. Et là on a une première moitié. Le problème, c'est moi ce qui me fait chier c'est ces deux diagonales là, mais je crois qu'on peut finir comme ça. Parce que là, si je fais ça, si je fais tac, 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 tac. Bah non, je peux pas faire ça. Parce que j'aurais pas cette barre là. Parce qu'à un moment je fais boum boum. Paf, paf. Non, on est bloqué. Peut-être faut faire tout le pourtour et les deux triangles à la fin. On va tenter comme ça, on va tenter un peu plus un instant. En mode. Une fois qu'on est là, faut finir là, c'est impossible. En plus, il nous manque une là. Allez, la première qui est un peu corsée. On va. Ou alors on se fait ça. Et une fois qu'on a fait ça. Je me suis bloqué. Non, il y a ça. Là, je suis bloqué. ok. Et si on essaye autrement, genre. Et ensuite, il faut qu'on finisse sur ce point-là. En fait, on ignore tout le haut et juste on se concentre, on est là. On doit faire un triangle ici. Et le problème, c'est que si on fait le triangle ici, on est obligé de faire ça. Le triangle ici. Non, c'est bon. Du coup, le triangle ici. Oh, il manque une ligne là. Dommage, hein. Dommage, il ne manque pas grand chose. Enfin, la même chose, mais en partant du milieu, là. Voilà, une fois qu'on est là. Non, on est fucked up. Alors on est de ce côté-là. Non, pas venir de ce côté-là. Oh, le casse-tête, c'est le milieu qui nous emmerde.
cherche à le faire. En fait, on va chercher à faire ça d'une main. Et une fois qu'on aura ça. Ok. Là, de toute façon, il nous manque un truc. Il n'y a même pas cette prison là. Alors attends. On est là ici. Une fois qu'on est là. Une fois qu'on est là, on est fucked up, mais il n'y a pas un monde où en démarrant. C'est par là. Ah, j'en fais des trucs que je faisais au début. Là, côté droit, c'est bon. Non, il reste ça, ça. Mais ça, en étant là à la fin, c'est ok. Faut que je fasse la même chose mais en faisant ça au début. Je sais plus ce que j'ai fait. Là j'ai fait ça. Ensuite j'ai fait quoi? Ok. Non je suis parti du haut. C'est ça, alors attends. C'est que si je finis là, c'est terminé. Ah, mais c'est bon. Ouh ! Ah, ça a été un peu de chance, ça fait du bien. Et la grotte à explorer, c'est celle qui était tout là. Bah, je suppose même pas. Une qui est là, très bien. On va finir ici, hein, les amis, d'abord. Hein. Je suis complètement avachi dans mon siège là pour la réflexion. Ok, la faille est en bas. Bonjour la faille. La faille est en bas. Le monde est devant. J'allais dire une troll pour monter, mais ça va. Pas tant que ça. Waouh, c'est joli. Oh, il va me refoutre des éclats tout du long là. Un ici. Un là-bas. Un là-bas. Oh, les éclats, c'est quand on fera la grande quête des éclats. Hein. Bah. On va refaire un peu de randonnée quoi. Lire. Très bien, pousse-toi Solas. Merci. La faille en bas. Ah mais je sais, j'ai un raccourci qui me mute et me démute pour Among Us. Et que là j'utilise pour les potions de vie. Et donc en fait je m'auto-mutais, démutais. Je pensais qu'il y avait un fantôme du Discord, mais c'est juste moi qui suis idiot, donc ça va. Du coup là il me mute et démute en permanence quoi. Il faut que je ferme Discord. Attendez. Faut que je quitte Discord.
Stop. Rien qui s'approche de la faille, j'ai rien touché. On me laisse tranquille. Machin qui bug FDR. Allez, moins 1000. Reviens quand tu seras un grand garçon. Oh là là, je vais des tartines moi. Mon nouvel arc en fait. Hop là, pour le fun. Pour le spectacle. Allez, venez. Range cela, c'est quand t'as 28 trucs au corps à corps, tu pourrais fuir, hein. T'as le droit de courir en arrière. Hein. Autorisé par la convention des mages. C'est bon? On a tout eu? On est des monstres? On est des monstres. Excellent! Excellent! Ou Sri Lanka, comme diraient certains. Qu'est-ce qu'il y a là? Un éclat? Ah oui. Oh la vague, elle a bugué, hein. Vous avez vu? Insane. 6 sur 13 éclats. Bon. Des démons qui ont des trucs à looter là. Allons chercher le trésor. Il se trouve. Les éclats, on s'en fiche un peu, je vous le dis. Je vous le dis, je le sais, je le sens. Est-ce que ce qui est le mieux, c'est ça ou ça? Ça, c'est tout droit. Et là, c'est un peu dans le merdier pour monter, non? Non, mais je crois que c'est vraiment juste à côté. La maison est derrière, le monde est devant. Bien la motoche. Tu peux monter ça, motoche? Oui, vas-y. Oui, oui, tu es si fort et si beau. Yeah, yeah. Oula. C'est par là-haut. Ouais, j'avais dit que c'était l'enfer à monter. Hein. J'ai dû passer par le campement des Alvar. Ça tue mon cheval, ça, non? Oh, il est incroyable. Énorme. Motoche l'immortel. Oula. La caméra qui se barre en couille. Alors, la grotte, on va dire qu'elle est là-haut. Paraît très logique. Du coup, le truc qu'on n'a pas réussi à ouvrir, j'ai aucune idée ce que c'est. Hein. Peut-être une quête plus tard qui s'ouvrira bon gré mal gré. Et le dragon qu'on a vu, bat les couilles quoi. Un autre jour peut-être quoi. Moi je veux bien qu'il y ait une grotte par là, mais. Putain, c'est vraiment un endroit qu'on a retourné en plus ici. Hein. Logiquement, une grotte, j'ai envie de dire que c'est genre par là. Mais apparemment, non. Près des statues à la con, là. Oh oui, ce serait bien par là. Oh oui, ce serait même carrément ça. Oula. C'est sombre. C'est sombre et il y a des méchants. Ah ouais, t'es énervé frérot. Ok. Non mais ça nous on peut l'aimer nous-mêmes, je sais jamais avec les trucs de pouvoir voler. Non ça c'est juste une torche normale. Hein. Petite chat mythe là, je sais pas trop ce qu'elles espèrent, mais
de la glace et tout, c'est marrant. Bâton de tisserève, ornement de bannière, ok. Un bâton de mage, c'est joli. Un arc vieux, oh là là, point stuff maintenant. Oh là là, je me sens bien là. Alors, fléau d'Anderven. Objet niveau 11, 95. Ah, je pense qu'il y a une strat où t'attends les hauts niveaux pour ouvrir les coffres. Bon, non, peut-être pas, je pense que c'est lié au niveau de la zone et tout. Ça paraît très logique. Bon, bah là, on est fort, hein. On est fortiche. Bâton de tisserève pour Solas. Est-ce que c'est mieux? Ah, c'est vrai qu'il a déjà un joli bâton. On va se le laisser de côté. C'est quand même un bâton bleu. Et une hache à deux mains prismatique. Oh, faut être niveau 12. On va la laisser de côté. On va la garder de côté aussi. Hein. Elle est clairement bien. Oh, pardon, armure. Armure. Chapeau d'éclaireur ferralien. Il faut être niveau 10. Ce n'est pas un casque raciste. Pourpoint d'enchanteur. C'est de la merde. Accessoire. Amulette de dextérité pour nous. Pour LT, c'est bien, ça, non? Ah oui, puis on avait le blason de Miséricorde. MODR. Pas insane, hein, tout ça. Je le dis, je le sais, je le pense.